What's up tout le monde, c'est Christophe Jeunier, surtout pour les Breaking News à propos d'un concept qui m'a l'air complètement taré, ch'tarbé. Donc ce que je vais faire avant de vous donner mon avis personnel, je vais vous donner toutes les informations le plus rapidement possible, et puis après je vous donnerai mon avis personnel, parce que franchement là je vois ça, enfin je me suis dit bon, il y a des choses comme le casque à réalité virtuelle qui est une bonne idée, malheureusement achetée par Facebook. Les utilisations pour l'instant, on n'a pas eu encore trop d'informations, c'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre que Facebook a racheté ça. On verra comment ça sera mis par le monsieur, notre ami Marc, on pourrait dire. Non, pas notre ami, peut-être pas, mais bon, on verra comment ça marche. Ça, en fait, c'est quelque chose qui va relier aussi le casque à réalité virtuelle, qui s'appelle le Omni, alors O-M-N-I, alors ouais, on pourrait, je vais l'appeler comme ça dans la vidéo, le Omni, et puis je vais vous donner toutes les informations, et puis après vous donner mon avis personnel, parce qu'honnêtement, je trouve le truc assez étrange. Donc qu'est-ce que c'est que ça? Alors déjà, la première apparition de ce nom-là, Omni, en fait, est apparue il y a environ un an, donc ça date quand même, voilà, on en a un peu parlé, tout ça, très peu d'ailleurs, mais moi je l'ai même pas vu. Et puis voilà, donc ça sera disponible très bientôt en précommande au mois de septembre. Il n'y a pas de date plus précise. Alors, avant de vous dire quand est-ce que ça va apparaître tout ça, c'est vrai, Christo, j'aurais dû un peu vous expliquer, mais qu'est-ce que c'est? En gros, c'est une sorte de tapis pour jouer en virtuel. Voilà, une sorte de tapis roulant que vous aurez des accessoires spéciaux intégrés, que aussi vous pouvez acheter des accessoires supplémentaires, bien sûr qui vont coûter très cher, à laquelle c'est un tapis virtuel, à laquelle vous allez pouvoir aussi rajouter votre casque à réalité virtuelle, à laquelle vous pourrez avoir des interactions et apparemment une plus grande réalité dans un jeu vidéo. Par exemple Minecraft ou un truc comme ça, en gros vous marchez, enfin dans Minecraft vous marchez, enfin bref, ça me paraît très étrange comme jeu, ça me paraît, enfin comme système plutôt, c'est ça. Ça me paraît même un peu compliqué. Bref, le prix du tapis, je vous montrerai normalement des images de ce tapis là sur l'écran, est à 499 USD, c'est à dire environ à 350, enfin 360 euros. À mon avis, le mettront à 350 euros, voire 400 euros, s'ils veulent se faire un peu plus de bénéfices. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que le tapis, juste lui, le tapis en lui-même, il coûte 499 $, donc 350 euros, et qu'il va falloir ajouter un casque à réalité virtuelle pour avoir plus de sensations. Pour qu'on achète ce genre de matériel-là, mieux vaut pas l'acheter à moitié, mieux vaut l'acheter en entier, enfin, c'est-à-dire avoir tous les matériels pour avoir la même meilleure sensation possible. Hein. Quand on met 350 euros, c'est pas pour avoir une demi-sensation, c'est pour avoir la, on veut la sensation à 100%. Donc il va falloir acheter un casque à réalité virtuelle qui coûte environ 300 euros, donc ça vous fait environ 650 euros. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que bien sûr il y a les frais de transport qui seront rajoutés, on va dire allez, grand max 650 euros, 620 euros, enfin allez 700, non on va dire 700 euros, on va vraiment mettre court les trucs. Donc en fait, comme je vous ai dit, donc c'est une sorte de tapis roulant à laquelle vous allez pouvoir jouer dessus. Par contre, il va falloir avoir des chaussures spéciales, elles sont comprises dans le tarif, mais attention, il n'y aura qu'une paire de chaussures qui sera comprise dans le tarif, c'est à dire que si vous faites par exemple du 39 et que votre je sais pas moi, votre petit frère il fait du 37-38, et bien que il va pas pouvoir rentrer dans les chaussures, donc forcément soit il se démerde, soit bah, il va falloir acheter des paires de chaussures, et c'est pas gratuit, c'est à dire que la paire de chaussures en elle-même, elle coûte 49 $, donc dans le set, vous avez je crois environ une douzaine de tailles de chaussures disponibles. Par exemple, vous dites tu fais du 39, donc dans la boîte, vous aurez 39, une taille 39 plutôt, et forcément bah vous aurez qu'une paire de chaussures, mais si vous voulez avoir deux paires de chaussures, il va falloir acheter une autre paire de chaussures, donc mise à côté, c'est à dire pas dans voilà, ce sera pas dans les 499 $, ce sera en plus, donc ça sera 49 $. Par exemple, il y aura aussi un harnais par exemple de sécurité, parce que bien sûr si le tapis va trop vite, vous pouvez vous éclater la gueule, en gros mieux vaut avoir un harnais de sécurité, donc en gros à laquelle vous êtes attaché au tapis, comme ça vous n'allez pas vous envoler. Il y aura trois tailles possibles avec le harnais, donc par exemple si je sais pas, vous avez un tout petit frère, bah lui va falloir acheter un harnais de petite taille, donc va falloir dépenser un harnais, donc en gros ça coûte 79 USD, donc à mon avis, pour faire la conclusion, enfin franchement, quand j'ai vu ça, ce tapis là pour moi, ça me paraît quasiment, ça me paraît un truc de ch'tarbé quoi, ça me paraît un truc de fou, le prix il est excessivement cher. Par exemple, en gros, pour une famille, enfin le truc il coûte au moins 1000 euros quoi, si on c'est une grande famille, enfin au moins 3 enfants ou 2 enfants, le truc il va te coûter au moins 1000 euros. Enfin, allez, 850 $ environ. Enfin, 800, ouais. 700 euros, 800 euros, quoi, le truc. C'est juste énorme. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Et en plus de ça, je sais même pas, honnêtement, s'il y a une bonne fluidité, si le jeu va bien accepter, ou aussi quels jeux seront compatibles à ce tapis-là. Bah putain, moi les gens là, ça me paraît un peu j'aime pas faire ce genre de choses, parce qu'en plus de ça j'ai pas de partenariat tout ça, mais c'est vraiment là honnêtement je suis pas du de la vie, j'ai du mal à voir
C'est même pas un projet en fait, il sort hein, au mois de septembre, j'ai du mal à le voir marcher. Voilà, donc faites très attention hein, quand même avant de l'acheter, parce que à mon avis ça va vous coûter très cher et puis bah... Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Ça, c'est à vous de décider dans la barre des commentaires. Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fera super plaisir. Surtout de me suivre sur ma page YouTube personnelle. Merci à vous pour tout, puis je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Peace out.